Hello les amis, hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais encore vous spoiler grâce à un Instagram, bah justement ici, donc encore une fois je vous remettrai le lien de cet Instagram de news.msp dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le suivre pour tout simplement pouvoir suivre un petit peu les nouveautés. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous inquiétez pas, j'essaierai de temps en temps, quand je vois qu'il y a des nouveautés, de vous les spoiler en vidéo, parce que je sais que vous aimez bien, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié après avoir fait des vidéos spoil, etc. Donc voilà, donc petite vidéo spoil cette fois-ci. Alors pour deux choses, parce que je vous avais déjà montré ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent, enfin un début de ce qu'il y aurait dans le calendrier de l'Avent tout simplement de Noël, donc de décembre 2018. Excusez-moi. Et également pour les rares, donc il y avait ici, je vous avais montré. En fait maintenant je vais vous faire un petit tour parce que ce qui a été rajouté apparemment, encore une fois je tiens à préciser pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vous re-précise ici, faites attention parce que ce sont des objets qui peuvent être encore susceptibles d'être changés, c'est à dire que pour l'instant c'est ce qui est censé y avoir, il y aura plus de choses bien évidemment et il y aura peut-être des choses qui seront modifiées ou enlevées également de ce qu'on vous montre en fait dans les spoils, donc parce que ça c'est surtout par rapport aux personnes qui ont ces rares là et qui se disent qu'ils vont les échanger avant qu'ils reviennent. Mais ça se fait, ils vont être supprimés, vous allez perdre des rares, donc faites quand même un petit peu attention. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les rares qu'il va y avoir. Je pense, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question également de quand est-ce que je pensais que les rares allaient revenir. Alors vu que c'est des rares un petit peu de décembre, je pense qu'ils vont arriver soit fin novembre, début décembre. C'est une estimation selon moi, encore une fois. Je ne suis pas non plus une source fiable, je ne travaille pas chez MSP donc je ne peux pas vous donner de date précise et ça se fait, je me trompe, mais je pense que c'est ça. D'ailleurs pour ceux qui se rappellent quand les rares de Noël étaient l'année dernière, est-ce que vous vous rappelez un petit peu près la date à laquelle ils sont apparus ou pas? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne les rares qui vont bientôt arriver. Donc il y a le petit haut ici et les petites chaussures ici. Pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir si vous souhaitez vous spoiler sur le reste. Moi je vous spoil que les nouveautés que j'ai pas montrées dans les vidéos. Alors ça c'est le pack qui va être changé, donc voilà, c'est le prochain pack. Vous savez le pack diamant que vous achetez avec les objets, dans le prochain pack nous aurons tout ça. Donc je vous montre un petit peu, donc ça c'est le pack version fille. Alors moi honnêtement je trouve extrêmement beau. La robe elle est juste magnifique ma chérie, elle est trop trop belle, j'adore la robe, franchement elle est super super belle, vraiment, voilà. Bon les chaussures je suis un petit peu moins fan, j'aurais préféré que ce soit des souliers de verre, un peu à la Cendrillon, même si c'est moins original que ces boots là, parce que c'est vrai que des souliers un petit peu en verre comme ça, peut-être qu'on peut en retrouver déjà sur MSP, donc c'est peut-être forcément plus original, même si personnellement j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus féminin pour le pack des filles. La chevelure très très belle aussi, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas le truc que je kiffe. Heureusement qu'ils ont rajouté un petit accessoire sur la tête pour un petit peu personnaliser la coupe, sinon on peut trouver un petit peu des choses similaires mais sans la couronne. Ça je trouve aussi très très beau, je trouve ça mignon. Après je ne sais pas quelle taille ça prend dans la chambre comme décoration. Le boonies il est sympa, il est sympa. Et ici version garçon, donc au niveau des garçons un petit peu déçu. Parce que bon les boots ça va déjà mieux aux garçons que ici je trouve. Mais le haut en fait j'ai l'impression qu'ils ont recyclé le haut de base du jeu que l'on peut avoir quand on crée un nouveau personnage masculin. Et qu'ils ont rajouté juste des sortes de trucs de glace, des pics de glace dessus. Je trouve ça, les pics de glace c'est très très beau, la couleur est très très belle, par contre la forme de la veste un petit peu, ça fait un petit peu noobie. Après peut-être que je me trompe, mais moi je sais pas, dans ma tête j'imagine juste le haut, la veste qu'on peut avoir en commençant Movistar Planet avec un compte version garçon. Donc un petit peu déçu à ce niveau là, bon de toute manière moi je comptais pas le prendre pour les garçons, hein, dans tous les cas, même pour les filles je ne sais pas si je pourrais parce que voilà ça coûte quand même assez cher un pack. Et ici bah, pour la chevelure, bon ça va. Mais je m'attendais quand même à mieux pour la chevelure, genre peut-être des pics de glace dans les cheveux ou ce genre de choses. Ça aurait été un petit peu plus original. Mais enfin bon. Voilà, ça c'est mon avis bien sûr. Vous pouvez bien sûr
ne pas avoir le même avis que moi et kiffer. Donc kiffez si vous kiffez, voilà. Mais voilà, petit coup de cœur, c'est surtout pour la robe. On va passer ensuite au calendrier de l'Avent de 2018. Je vous avais déjà montré ce qu'il y aurait selon ce site Instagram. Enfin, ce site, ce compte Instagram. Hein. Mais il y a des nouvelles choses qui ont été rajoutées. Et c'est surtout à cause, je vous avouerai, du pack, mais aussi de, du spoiler de calendrier de l'Avent que je voulais vous montrer. Parce que c'est extrêmement beau. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est trop beau, c'est trop trop beau, j'adore. Donc, vous allez voir. Ta-da-da-da. Et ben voilà, ce sont tout simplement des objets. Alors moi, j'adore tout ce qui est un petit peu animaux et tout ça, les bonnets avec des oreilles, ce genre de choses, ou les pulls, ou les kigurumi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Bon, je prononce comme ça les kigurumi. Vous savez, les petits, enfin les sortes de combis animales. Moi, j'ai une petite combi dinosaure, etc. J'adore tout ce qui est comme ça. Et du coup, là, nous avons un petit pull de Noël avec un petit carlin dessus. Alors, je le trouve super mignon, le petit carlin. En vrai, je suis pas fan des carlins, mais en image, ça fait genre trop bien, c'est trop mignon. Nous avons un petit bonnet renard, même si, si on change de couleur, ça pourrait très bien être un bonnet de chat. Hein, puisque bon, les renards et les chats, ça voilà, on peut encore jouer là-dessus. Par contre, là, effectivement, là, ça match que avec le renard. Donc, superbe pull avec un renard. Alors, ce qui est bien, c'est que ce genre de pull, ben, c'est Noël, mais c'est pas forcément, on peut le mettre en dehors des occasions de Noël, et ça, c'est cool. Et ça, c'est mes coups de cœur, c'est surtout ça. En fait, ça, je trouve ça méga beau. J'imagine cette couronne de fleurs et avec les oreilles et les bois de cerf, ou de reine, hein. Ça peut très bien matcher pour les deux, je pense. Elles sont un petit peu petites pour être des bois de cerf, je pense, plus des bois de reine. Mais avec une belle chevelure, franchement, il y a moyen, je pense, de faire un super beau look. Donc j'ai hâte d'avoir celui-ci et pouvoir voilà, faire un joli look avec ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est des chaussures. Enfin, je ne sais pas si c'est considéré comme des chaussures ou des chaussettes. Je pense peut-être plus comme des chaussures que des chaussettes. Mais voilà, ça fait très original. J'adore. Franchement, j'adore ce petit bas qu'on pourra, je pense, cumuler avec ce truc-là. Et puis avec pas mal d'autres choses qu'on avait déjà montrées dans l'ancienne vidéo de ce qui allait arriver pour Noël. Donc je pense que là, on a fait un petit peu le tour des nouveautés que je ne vous avais pas montrées dans les anciennes vidéos. Et bah écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous allez, enfin si vous trouvez ça plutôt cool ou pas, ce qu'il y a, est-ce que vous aimez bien le nouveau pack qu'il va y avoir pour décembre ou pas. Voilà, moi j'aime bien, mais quelques petits trucs qui me plaisent moins que d'autres, forcément ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et ben dites-moi un petit peu vos avis, et dites-moi si vous voulez que je continue de temps en temps à vous faire des vidéos spoil ou pas. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas.